Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une réception qui va changer un peu de d'habitude. J'ai deux choses à vous montrer que j'ai reçues de deux enseignes différentes et on va voir ça de suite. On commence avec quelque chose qui n'a rien à voir avec d'habitude. Il s'agit d'un casque audio de chez FRTech, je pense que ça se prononce comme ça, que j'ai reçu. En fait, pour tout vous dire, j'avais repéré un casque dans ce style-là, rose avec des petites oreilles que je voulais. Et malheureusement, il était en rupture de stock et les revendeurs s'en étaient donné à cœur joie. Donc, je suis très très contente de l'avoir reçu. Il est trop mignon. Si jamais, il est en vente sur le site de Just for Game pour, je crois, une trentaine d'euros. Et il est également disponible chez Carrefour. Donc, si vous en avez un près de chez nous, vous pourrez peut-être le voir. Et il se présente comme ça. Alors, je l'ai déjà mis, donc forcément, c'est tout emmêlé. Il y a plusieurs câbles avec un embout USB comme ça pour record si vous le voulez, un jack classique et il y a un jack avec séparé son et micro. Il y a le micro qui est juste là et moi je le trouve très très mignon. Il y a des petits tanouki juste ici et on a donc les oreilles de tanouki qui sont amovibles. Si jamais vous voulez les enlever ou les déplacer ou que sais-je, vous pouvez. Là, c'est bien, bien confortable. Moi, en général, j'aime pas trop d'habitude les casques parce que là-dedans, ça écrase mes boucles d'oreilles. Mais là, c'est pas le cas sur celui-ci, donc je suis très, très contente. Alors moi, je ne joue pas sur PC, vous le savez. Mais par contre, je dérange souvent à côté de moi quand j'aime beaucoup en fait jouer tout simplement avec le son et j'ai du mal à jouer sans le son des jeux parce que pour moi, ça fait partie intégrante de l'expérience de gameplay. Donc voilà, il tombe. Très très bien et surtout je le trouve absolument trop mignon. De chez 404 éditions, j'ai reçu ce petit quiz manga. Vraiment, c'est tout 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 petit. Et là, vous pouvez à la limite juste embarquer les cartes si vous voulez vous déplacer avec. Mais vraiment, vous voyez, c'est pas plus grand que ma main. Et je n'ai vraiment pas des grandes mains. Donc, c'est différentes questions sur des mangas, des animés, sur des petites cartes. Comme ça, vous avez plusieurs questions par carte. Mon copain m'en a lu quelques-unes. Il y avait des réponses que j'avais, finalement des réponses que je n'avais pas aussi. Donc ça a l'air très très chouette. Après, je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui connaît avec qui jouer parce que moi, mon copain peut me lire les cartes, mais il n'est pas en grande capacité de répondre lui au quiz. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous avez des amis avec qui jouer, ça peut être très très chouette. Et voilà pour la mini réception d'aujourd'hui, vraiment quelque chose d'assez rapide. On se retrouve demain pour un gros bilan lecture. Une fois de plus, je suis très lecture en ce moment. Je joue pas beaucoup, je ne regarde pas beaucoup d'animés, mais qu'est-ce que je lis? En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.